Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour cette 8e histoire. Et j'ai choisi un livre aujourd'hui qui est coloré, ça va nous donner un peu de peps. C'est Bzou, une mouche pas si moche. C'est un livre qui a été écrit et illustré par Cécile Mordillot. C'est parti. Bzou est une mouche bien sympathique, mais elle est malheureuse. J'en ai assez d'être une mouche. Je suis vraiment trop moche. Car voilà ce qu'elle désirait plus que tout au monde. Devenir une abeille. Ah, toutes ces rayures, comme c'est beau, pensait-elle. C'est ainsi que le soir venu, Bzou fit un drôle de rêve. Elle était devenue une magnifique abeille. Quel bonheur! Le lendemain, notre petite amie avait transformé son rêve en réalité. Mais lorsque les abeilles l'aperçurent, elles rirent aux éclats. Ma pauvre! Le jaune n'est décidément pas ta couleur! Elle avait pourtant fait du bon travail. Toutes ses rayures peintes avec du pollen étaient plutôt réussies. Alors, Bzou s'en alla le cœur brisé. Soudain, elle entendit des sanglots et vit une adorable petite abeille qui pleurait à chaudes larmes. Oh, je suis trop moche, pleurnichait la malheureuse. Pourtant, Bzou la trouvait très mignonne. Et la petite abeille insista. Je suis moche, car je suis une mouche. Et là, ce fut le coup de foudre. Que tes dents sont blanches, tes rayures ressemblent à des perles d'Orient. Se lancèrent-elles mutuellement. Elles décidèrent, dès lors, de ne plus essayer de ressembler à autre chose qu'à de magnifiques mouches. Et d'ailleurs, ce jour-là, de mémoire d'insectes, on n'avait jamais vu d'aussi jolies mouches. Bzzz. Fin. Ben voilà, c'était une histoire toute courte mais pleine d'espoir. J'espère qu'elle vous aura plu et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis donc à demain. Au revoir les enfants.